الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المؤمنين إن سورة القرآن où il est demandé aux musulmans de la lire et de la relire et d'essayer un peu de faire de cette sourate un repère dans ta vie. Cette sourate, ce n'est pas une longue, longue sourate. Ce n'est pas une sourate difficile à apprendre. C'est parmi les sourates les plus faciles à apprendre. Elle s'appelle sourate les appartements. Cette sourate, elle est basée sur le comportement du musulman. Comme on est en plein mois de Ramadan, c'est le mois de notre éducation spirituelle, c'est le mois qui nous pousse à revoir notre comportement en général dans la vie et essayer de l'améliorer progressivement pour arriver à un stade de la piété. Cette sourate a pour base dans ce premier acte, la relation avec le prophète. Quelle est notre relation avec le prophète? Comment on perçoit cette relation, nous? Comment le Coran nous demande de se comporter envers le prophète? Allah dit, « Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih » Ça c'est le premier verset. Le deuxième verset, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Le troisième verset, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Donc on a trois recommandations divines d'Allah تبارك وتعالى de notre comportement envers les prophètes et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier pour nous musulmans. Le premier, ce que dans la vie, il faut toujours demander quelle est la vie d'Allah et son prophète. Parce que c'est là où le prophète a défini les surfaces. Il a dit la première surface, ce qu'Allah vous a demandé de faire. La deuxième, ce qu'Allah vous a interdit de faire. Il vous a demandé de faire, faites-le. Il vous a interdit de faire, ne le faites pas. Et c'est tu. Ça, ce qu'on appelle dans la législation musulmane, le mubah. Parce qu'Allah n'a pas formulé de demande, n'a pas formulé d'interdiction. Donc, par miséricorde, rahmatan bikum, ghayr nisyan, sans qu'il l'oublie. C'est juste pour, donc, par miséricorde de sa part envers nous. Le Coran parle de tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Savoir quelle est la vie d'Allah et son prophète. Deuxième problème, deuxième comportement, ne pas élever la voix envers le prophète. Vivant ou mort, quand vous allez visiter, Inch'Allah, Médine, vous serez dans le bâton du prophète, vous trouvez ce verset-là devant vous, comme ça. Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Pour cela, pour toute culture, vous allez faire le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas élever. Et dans ce contexte-là aussi, quand on vous cite un hadith, une parole prophétique, ne pas élever la voix quand tu la refuses. Essaye toujours de dire, d'abord, l'authenticité de ce hadith. Demande à ceux qui sont plus, donc, qui sont des spécialistes de cette science. Et la deuxième chose, s'il est authentique, demande la compréhension et la lecture et l'exégèse de ce hadith et où on peut le mettre. Parce que tout ce que dit le prophète est bénéfique pour nous. La troisième chose, c'était aux musulmans de l'époque, et jusqu'à présent, voilà pour nous musulmans, ne jamais donner des infos fausses. Induise
les gens en erreur. Il a dit ça à l'époque au prophète. Ne dites pas au prophète des fausses informations qui vont l'induire. Ne dites pas qu'il reçoit la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam, inna fikum rasulullah. Et le prophète reçoit la révélation. Si vous lui dites quelque chose de faux avec l'immigration, il va le savoir. Il va le savoir, c'est un prophète. Et ça nous apprend de ne jamais dire aux gens des fausses informations pour les arnaquer, pour les pousser à la vie. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le deuxième axe, c'est le comportement envers nous croyants. Comment doit-on se comporter? Allah a déclaré dès le début que les croyants sont des frères. Il a dit qu'ils peuvent aussi se combattre. Quelle sera notre position quand on voit? C'est d'abord être avec la personne qui avait raison. Essayer de réconcilier les deux parties. Et si l'une des deux parties refuse la réconciliation, il faut la combattre juste où elle revient. Même si vous l'avez battue, il faut se réconcilier avec. Salah il dit, « فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ Il revient. Donc, à la raison et à la vérité, ce n'est pas une relation de vainqueur face au vaincu. C'est une relation de frère en frère. Je n'étais pas d'accord avec toi sur ce point, mais le jour où tu es revenu à la raison, tu reviens toujours en tant que frère. C'est pour ça, Allah a dit, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يعني فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا donc essayez de le réconcilier avec justice et soyez honnête et soyez juste. Et puis il nous a demandé autre chose, comportement. Ça c'est le comportement de communauté à communauté, de groupe à groupe, puis d'une personne à l'autre personne. Il a interdit les moqueries. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون hommes et femmes, ou la nissère ou ministère. Et ne dites pas dans leur dos des choses qui ne sont pas bonnes. Et ne les appelez pas par les noms et les prénoms qui ne le veulent pas. Et ne les espionnez pas. Et ne le calomniez pas. Pas de médisance, pas de calomnie. Donc ça, ce qu'Allah a demandé, de faire dans notre comportement. Et le ramadan est la période idéale pour commencer cette éducation de notre langue, éducation spirituelle. Et dans le dernier volet, Allah tabaraka wa ta'ala parle de relation avec les êtres humains. Elle est basée sur quoi cette relation avec les êtres humains? Elle est basée sur le respect total. Pour cela, Allah nous a demandé de ne pas être raciste. Que tous les êtres humains sont égaux devant lui. Pas de distinction de race. Pas de distinction de couleur. Aucune distinction ne sera affichée le jour de l'observation. Tous les êtres humains répondront devant Allah de leurs actes individuels. Même pas collectifs. Individuels. Pour cela, il a dit aux musulmans, dans les premiers versets, c'était aux croyants. Et dans ce verset-là, Allah il déclare, Ya ayyuhan nas, aux gens. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, donc d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons fait de vous des peuples et des tribus. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. البروفيت اكسبليكي كونت إلى دي لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. نل نمي كلوت باسكو إلي أراب ونو أراب نل نمي كلوت باسكو إلي بلون ويلي نو تو لي زيت ريمان سو تيكو
Donc, tous ont droit à la dignité, ont droit au respect, ont droit aux bons entretiens. C'est une chose à méditer pendant ce mois d'or. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا انك نعم المولى ونعم النصير